Nesma TV, Zitouna TV et la radio Kouran, trois médias tunisiens interdits de couvrir la campagne électorale de la présidentielle prévue le 15 septembre. La Haute Autorité de contrôle de l'audiovisuel et l'instance indépendante chargée des élections qui ont pris cette décision estiment que ces médias ne disposent pas de licence et exercent dans l'illégalité. Par conséquent, elles interdisent aux candidats de mener campagne à travers ces trois chaînes. La Haute Autorité de contrôle de l'audiovisuel mène depuis près de trois mois une guerre pour faire respecter la loi à ces trois organes de presse qui continuent d'émettre. Nesma TV fait notamment l'objet d'une interdiction de diffusion depuis octobre 2018. La chaîne est accusée par la AICA de se positionner afin d'influencer les organes de l'État et de refuser de divulguer l'identité de ses actionnaires. Les deux autres médias, Zitouna TV, proche du parti d'inspiration islamiste Ennahda, et la radio Kouran, manquent de transparence sur leur financement, d'autant qu'elles n'ont pas de recettes publicitaires, estime aussi l'organe de contrôle de l'audiovisuel. La campagne électorale se déroulera du 2 au 13 septembre.